wake up. Today's gonna be a good day. 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 Aujourd'hui, nous allons étudier quelques expressions typiques françaises. Des expressions qui utilisent le vocabulaire de la nourriture et des animaux. Quand vous lirez ces expressions, elles vous sembleront étranges, amusantes ou vraiment excentriques. Première expression. Quand vous n'êtes pas fatigué, quand vous êtes plein d'énergie, vous entendrez les Français utiliser de nombreuses expressions comme, numéro 1, j'ai la pêche, traduction du mot pour mot, I have the peach, meaning I'm full of energy, j'ai la pêche. Cette expression s'utilise avec le verbe avoir, que vous pouvez donc conjuguer à tous les temps. Voici quelques exemples. Au présent, aujourd'hui, j'ai la pêche. Au passé composé, hier, j'ai eu la pêche pendant une heure. À l'imparfait, quand j'étais jeune, j'avais toujours la pêche. Au futur, dans un mois, après mon entraînement, j'aurai la pêche. Au conditionnel présent, si je ne travaillais pas autant, j'aurai la pêche. Au subjonctif présent, pour gagner cette compétition, il faut que j'aie la pêche. Soldiers often say when they are full of energy, j'ai la patate. Or they say, ou ils disent, j'ai la frite. Word for word, it means I have the potato or I have the fry. It's kind of funny, but it still means I'm full of energy. Here an explanation for the level 2 and supérieur. Exemple, dans un article de presse, L'Express, du 25 avril 1976, Michel Fugain, un ancien chanteur français très populaire, parlait un jour de ses amis en disant « Oh, j'aime filer la patate aux potes. » Meaning « I like to put the energy and to give the energy to all my buddies. » J'aime donner du tonus aux copains et leur donne parce qu'il en a. L'origine de cette expression, c'est à cause de sa forme, plutôt ronde, qu'en argot, slang. Au début du XXe siècle, la pomme de terre, donc la patate, a été assimilée à la tête, comme la poire, the pear, auparavant, before. Sans que ce soit certain, c'est probablement parce que celui qui est en bonne forme, avec une bonne patate, que en passant par une forme comme « il a une sacrée patate », on est arrivé à « il a la patate ». Quant à la frite, elle en découle assez logiquement, mais plus tard, dans les années 70, c'est en effet à partir de 1950 que la frite ou avoir la frite comme la patate ou avoir la patate désigne la tête. Par une simple plaisanterie, puisque aux dernières nouvelles, et les Belges ne démentiront pas, c'est bien avec des patates qu'on fait des frites. Ensuite, l'influence d'avoir la patate a fait le reste. En ce qui concerne avoir la pêche, l'origine de cette expression est assez floue. Pour certains, elle viendrait de la culture chinoise, pour qui la pêche est un signe d'immortalité et de bonne santé. Pour d'autres personnes, elle viendrait du monde de la boxe et de l'expression avoir de la pêche, qui signifie avoir beaucoup de force. Exemple. Oh, sur cette photo, elle a la pêche. Autre exemple, hier, j'étais tellement fatiguée, j'ai eu du mal à avoir la pêche pendant la fête. Autre exemple, oh, ravi de voir que tu as la pêche. Traduction, être plein d'énergie et d'entrain, être en forme, avoir la whist, être en pleine forme, avoir plein d'énergie, avoir plein d'entrain. Alors, traduction, il ne doit plus avoir la pêche. Il était censé ne plus avoir la pêche.
J'ai juste un peu de mal à avoir la pêche. Je préfère ne pas sortir ce soir. So you see, the translation can be very, very different. And different situations we can use avoir la pêche or ne pas avoir la pêche or ne plus avoir la pêche. Let's take a break. Pendant la pause, n'oubliez pas, pour m'aider à créer d'autres leçons gratuites, de liker, de souscrire et de partager. Merci! Soldiers often say, when they are full of energy, je suis d'attaque. Another expression is pretty funny. Péter le feu, je pète le feu. And word for word, it means I fought fire. But actually, it still means I'm full of energy. Écoute, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Qui c'est qui a dit ça? Another expression, avoir mangé du lion. J'ai mangé du lion. Wow, j'ai mangé du lion aujourd'hui. Hein? The translation word for word means I ate some lion. But in fact, it still means I'm full of energy. Voilà, la leçon est finie. Et pour m'aider à en créer davantage, n'oubliez pas de liker, souscrire ou partager. Merci beaucoup, les amis. Au revoir.